Le 20 et 21 décembre, rendez-vous en région parisienne pour un événement de folie jamais vu en France. La S3, collectif de renommée mondiale, fait. Tu fais quoi là? Là, tu fais quoi là? Clique pas! Clique pas, je te dis! C'est bon, je rigole, tranquille. Mais clique pas, c'est tout. Faites ces 10 ans sous la forme d'un événement appelé King of the Street. A l'occasion de ces deux jours, un match de gala entre la team S3 composée de stars du ballon rond face aux titans du futsal, la team Access. Sans compter sur un battle unique au concept jamais vu avec des danseurs et freestylers venus du monde entier. Bref, un événement à ne surtout pas rater. Retrouvez tous les détails sur le Facebook Street Style Society ou sur le Twitter et Instagram S3 Society. Peace et on compte sur vous. Amis aventuriers, bonjour et bienvenue sur la Ligue de la S3. Aujourd'hui, nous sommes de retour pour une nouvelle épreuve de Koh-Lanta avec Brian et Storm. Donc, l'épreuve va se dérouler en trois manches. Trois manches. La première manche, c'est le pot-au-ball. Pot-au-ball. Le premier qui tombe du ballon a perdu. 3, 2, 1, let's go! Oh, oh, Mamidou, tu peux rester. Tu peux tenir. Non, t'es trop nul. Hé, t'es trop. Fais mal, lui, Ria. Ah, il est vraiment un poteau. Il a le même corps qu'un poteau. On passe à la deuxième manche, elle est très simple, c'est la même sauf qu'il y a des shooters en plus. On va voir qui va gagner. Le premier qui tombe a perdu. 3, 2, 1, c'est parti! Ok, c'est parti pour la troisième manche. On passe à l'épreuve du poteau shoot. C'est celui qui met le plus de paniers d'affilée en étant sur le ballon qui a gagné. Et pour ça, ils ont une minute. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il tombe, eh ben, ça recommence. Ok, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti! Allez, chacun la gueule! Allez! Ne travaille pas, Swiss! Oh, allez, voilà! 20 ans de basket, aïe, 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 zéro shoot! Et zéro! Oui. Allez! Allez, vas-y, là! Il reste 15 secondes, t'as mis qu'un! Wouh! 2, 1, it's done! Un panier pour Storm. Vous avez vu qu'il est tombé plusieurs fois de son ballon, ça veut dire qu'on n'en a validé qu'un seul. On enchaîne tout de suite avec Brian. Va-t-il faire mieux? Va-t-il faire pire? C'est parti! 3, 2, 1, let's go, baby! Wouh! Tu tiens mieux que toi déjà? Ouais, mais tu tiens, mais. C'est la vraie, reste rentré! Il y a eu trois manches, c'était chaud de ouf. Ah, chaud. Donc là, faut faire la belle pour la belle. Bon, en fait, ils vont shooter en même temps sur le ballon. Le premier qui le met, il a gagné. Il a gagné. 2, 1, c'est parti. Let's go. Allez. Oh. 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 Félicitations à Storm qui remporte ce challenge. Bravo. Monsieur Brian, s'il vous plaît, venez à mes côtés. Je n'ai pas le plaisir de vous annoncer que la tribu s'est réunifiée et vous êtes malheureusement éliminé. La sentence est irrévocable. Au revoir. Ok, bah ils ont décidé de m'éliminer. Je trouve que c'était un peu trop simple pour un freestyler basket de faire une finale sur du basket. Mais tranquille, on se verra à la prochaine S3 Cup. Peace. Moi j'ai décidé de voter pour Brian parce que déjà il a un t-shirt vert, je sais pas si vous avez remarqué, c'est super moche et en plus je l'aime pas. Comme ça je suis le seul nouvelle génération à rester. Moi j'ai voté Brian, voilà, tout simplement parce que j'en ai vraiment marre de tous ces retards tout le temps. Le mec il est en retard même quand on vient chez lui. On a créé une alliance au départ, tu l'as pas respecté, moi j'aime pas les traits, t'es un hypocrite, t'es qu'un sale menteur et voilà, moi j'aime pas ça, donc maintenant tu rentres chez toi. Moi j'ai voté contre Brian parce qu'il a ajouté ma soeur sur Facebook, s'est enfoiré et essayé de la draguer. Et crois que je l'ai pas grillé, hein. Et oui mon ami, n'oublie pas d'aller mater notre précédente vidéo où il y a des skills de folie. Et bien sûr, like, partage et abonne-toi. Allez, vas-y. Allez, abonne. Vas-y, abonne-toi.